Et à notre gauche, là, on a un champ de maïs avec la verdure. Tiens, on entend 2-3 grenouilles. Je ne sais pas si tu entends, là. On entend 2-3 grenouilles. C'est des 1000 km à vélo en quelques jours. C'est un exploit, mais un peu trop facile, trop banal. Alors, ces cyclistes ont ajouté un petit quelque chose, le partage avec des personnes handicapées. T'as vu comme ils se moquent de toi, ils te mettent ton casque à l'envers. 9h du matin, le groupe se prépare à l'entraînement du jour. Je dis que c'est pas mal, hein. Ouais. C'est bien, Aurèle. Hein, c'est bon, tu peux descendre. Il faut une bonne entente, il faut communiquer, il faut expliquer les choses, il faut être à l'écoute l'un de l'autre, mais surtout que le pilote soit à l'écoute de son passager. Étant jeune, je voyais très mal, mais enfin, je voyais quand même. Et quand on est sur un endroit, par exemple à Pontarlier, au bord du lac de Malbuisson, là, quand le pilote me dit bah, « Tiens, on est à tel endroit, on est à tel endroit ben, », j'imagine dans ma tête, je vois encore des images que j'ai vues étant plus jeune. Préparer l'itinéraire et les étapes, trouver les hébergements pour une trentaine de personnes, les cyclistes et les bénévoles des véhicules d'assistance. Un an de travail a été nécessaire. Mais ce matin, tout est prêt. Devant eux, l'Euro Véloroute numéro 6 jusqu'à l'Atlantique. À chaque fois qu'on fait un entraînement puis qu'il y en a un qui a un coup de barre, on lui dit « tu veux monter dans le camion ?» C'est « jamais ». À chaque fois, c'est la réponse, c'est « jamais ». Donc voilà, c'est se dépasser. Et nous, ben, du coup, on se dépasse. Aujourd'hui, comme il fait excessivement chaud, ben, je crois que tous les quarts d'heure, même tous les 5 minutes, je dis à Aurélien, il faut boire un coup, Aurélien, il faut boire un coup. Voilà, mais on pense puis au bien-être de l'Andy qui est derrière. Et puis, on prend énormément de plaisir, hein, parce que c'est vraiment un coin magnifique. Le 15 août, ils seront en Bretagne. Après 1000 km en 2 semaines, la baignade dans l'océan aura le goût du défi réussi et de l'amitié, des vacances inoubliables.